Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui ce sera un épisode intitulé Spin, No Spin, Half Spin. Donc comme son nom l'indique, je vais switcher d'une technique à une autre avec trois distances différentes qui seront toujours 2, 3 ou 5 mètres. Et je vais travailler avec la main droite et la main gauche et vous verrez pourquoi la main gauche un peu plus tard. Donc la première chose, c'est que je suis très content d'avoir réussi à trouver le bon outil de pratique martiale. Donc c'est des Bose Shuriken Pro et ils ont un traitement thermique qui fait qu'ils ne se tordent pas comme les petits Bose Shuriken et Kunai que j'avais, avec lesquels j'avais commencé dans les épisodes précédents, notamment le Scorpion Battle Challenge et les deux épisodes de préparation juste avant que vous avez pu voir. Donc ils ne se tordent pas, on peut travailler à répétition et surtout ils sont bien équilibrés, ils ont la bonne longueur d'à peu près environ 20 cm ou plus et plus de 100 grammes. Donc ils sont juste super et je calibre toute ma posture et mes mouvements et ma pratique de Shuriken Jutsu avec cela, c'est vraiment pour moi les meilleurs. Donc du half spin à 5 mètres, c'est vraiment super. Je suis plus à l'aise au half spin qu'au spin. Mon corps mémorise mieux la posture de base de projection. Le no spin est ce que je préfère encore plus que le half spin parce que j'ai une constance qui est beaucoup plus importante sur les lancers. Et donc le no spin pour moi est idéal et puis il est plus proche de l'esprit traditionnel du ninjutsu et du shuriken jutsu à mon humble avis et ce que recommandent les maîtres apparemment. Donc maintenant je suis capable de switcher d'un half spin à un spin à 3 mètres à un no spin. Je suis également capable de faire du no spin à 5, 3 ou 2 mètres quand je suis vraiment vraiment bien échauffé. Et je travaille des deux mains pour être capable de ne pas déséquilibrer ma colonne vertébrale et les muscles dorsaux et d'avoir ensuite un espèce de déséquilibre corporel assez désagréable. C'est vraiment important de travailler toujours des deux côtés. Je le recommande vivement, quelle que soit votre pratique. Bien sûr, ne répétez pas ces mouvements et cette pratique. Ça peut être très dangereux avec les rebonds des shurikens. Travaillez en dojo avec un maître de shuriken jutsu, de ninjutsu ou d'une autre pratique qui utilise le Bose Shuriken comme le lancer de couteau sportif. Donc voilà, c'était vraiment deux mois super où je me suis vraiment calibré sur ces outils sérieux de pratique martiale et j'ai pu m'initier à ces trois techniques, donc je suis vraiment très content. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.